Nous sommes installés depuis le 1er janvier 2016. On a fait 10 mois dans la Pénurie. misère. On peut dire dans la misère. Depuis que le consommateur a commencé d'acheter le lait, c'est qui le patron? Pour nous, ça a été rassurant. Tout de suite, la première paye, si on peut dire, qui est arrivée chez nous. C'était une sorte de fierté parce qu'on s'est dit, enfin, les consommateurs, ils jouent le jeu de nous acheter notre lait au bon prix. Le complément de prix que les consommateurs sont prêts à mettre, ça, pour nous, c'est un acte de solidarité. En plus, ça représente que 4 euros par an et par personne. Donc on se dit, ils sont prêts à le mettre, à nous aider. Donc je pense qu'ils voient aussi un avenir dans le métier d'agriculteur. Et du coup, ça nous a rassurés de se dire que ce qu'on faisait, c'était pas à côté de la plaque, quoi. Que c'est ce que les consommateurs recherchaient. Et que la réalité des choses était déjà en place, en fait. Ouais. Le bien-être animal, nous, c'est déjà notre premier objectif. Nos payes, elles ont doublé par rapport à notre première année d'installation. Et ça motive et ça redonne le sourire. Et puis, on a fait des investissements tout en restant quand même raisonnable parce que ça fait que seulement 4 ans qu'on est installé. Nous, on engraisse nos vaches à l'herbe. On a un meilleur rapport qualité-prix, en gros, on peut dire, car on n'utilise pas l'ensilage, qui va moins persiller la viande, si on peut dire, et niveau économique, c'est irréprochable. Parce que nos vaches vont pâturer la prairie de Saume avec une herbe tellement diversifiée qu'ils vont s'engraisser toutes seules.